De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste de Sécopé et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mise à la disposition de la justice.